Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Moi j'avoue que j'ai connu un petit peu mieux, j'ai encore mal à la tête. Comme la semaine dernière, exactement le même truc. Je pense que les migraines sont de retour. Sûrement juste parce que je suis fatiguée et stressée, enfin bref. Je revenais pas pour ça. Je revenais du coup pour commencer officiellement, entre guillemets, le vlog de cette semaine. Donc on est mardi 11, 12, 12 je crois, ouais 12, il est 16h12, ah ben c'est marrant, donc on est les 12, il est 16h12, je n'ai pas lu hier, ah si j'ai lu un tout petit peu, j'ai avancé un petit peu plus, on a juste, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a rencontré, on a revu une méchante qu'on avait vue dans le tome 1, que son histoire, mais elle est tellement triste à cette méchante là, je vous spoil pas qui, mais je trouve son histoire mais tellement triste, la pauvre, elle fait pitié. On a envie de lui faire un gros câlin et bon. J'espère pour elle qu'on la verra pas dans le tome 3, j'espère qu'elle sera déjà partie dans un meilleur monde. Et ensuite, ben là, on est sur le chemin pour aller voir Ursula, la sorcière des mers. Donc, ils disent pas que c'est Ursula, mais la sorcière des mers. Pour le moment, voilà, je sais pas encore à quoi elle va ressembler, mais son antre, en tout cas, a l'air de foutre les jetons. Et j'aime beaucoup à voir par la suite, du coup, comment ça va se dérouler avec elle. Mais pour le moment, voilà, j'aime beaucoup. Du coup, vous avez pu voir ce matin que j'ai reçu mon bouquin du concours de les tribulations culturelles de loup. Je suis trop contente. En plus, elle m'a mis un petit truc comme ça là, une sorte de petit poster, une petite affiche, voilà. Que j'aime beaucoup, j'adore en plus cette phrase. Et du coup, voilà, après j'ai pas fait grand chose d'autre, étant malade, voilà. j'ai fini de regarder la saison 6 de Viking, et je viens d'apprendre aussi que c'était la dernière. Du coup c'est tout triste. J'aurais bien aimé une petite dernière saison encore, mais faut savoir dire stop. J'adore la fin et... J'aime beaucoup, beaucoup la fin de cette série. Je voyais pas une fin différente, en fait, pour les personnages. Et je suis contente pour eux. Pour chacun d'eux, je suis contente pour eux, vraiment. Et du coup, voilà, je comptais du coup vous reprendre un petit peu avant de continuer le pays des contes. Je sais pas si je vais pouvoir lire énormément avec le mal de tête que voilà. Mais je viens de prendre un médicament, donc j'espère que ça va passer. Et je sais toujours pas ce que je vais lire après, entre... Je pense que je vais m'attaquer au manga après. Histoire d'être un peu plus lâche niveau lecture. Et du coup, ben voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Si, j'ai fait un dessin hier. Mais c'est ma soeur qui l'a... Parce que je l'ai imprimé et plastifié, mais c'est ma soeur qui l'a. Donc ben, je vous le montrerai... quoi que je peux peut-être l'ouvrir par ici. Donc je reviens. Donc voilà, c'est ça le petit dessin, le petit design. Alors faites pas attention à la fenêtre qu'on voit par ici. C'est assez simple, hein, je trouve. En tout cas, c'est assez, assez simple. Je trouve qu'il y a des petits défauts, mais après c'est peut-être mon côté perfectionniste. Donc voilà mon petit dessin du jour. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresserait de les avoir sur Etsy. Comme ça que je le mettrai. Et sur ce, ben voilà, je vous fais des bisous. Coucou, alors on est mercredi 13, il est presque 3h si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez toujours bien comme d'habitude. Moi ça va un peu mieux qu'hier. J'ai encore mal à la tête, mais bien moins qu'hier. Donc j'ai pris un médicament et pour le moment c'est passé en tout cas. Ça va sûrement revenir plus tard, mais pour le moment c'est passé, donc profitons-en.
Hier, du coup, je vous ai quitté. J'allais lire Le Pays des Contes et je l'ai fait un petit peu. J'ai lu 3 chapitres, je crois. J'aime toujours autant. Donc, on était sur le chemin pour aller voir La Sorcière des Mers. J'ai bien aimé ce moment, même si je l'ai trouvé un peu rapide. Enfin, j'aurais bien aimé rester en fait plus longtemps avec La Sorcière des Mers. Après, vu le scénario et tout, vu comment ça s'est passé, oui, effectivement, on n'aurait pas pu rester plus longtemps. Mais ouais, j'aurais bien resté un petit peu plus sous la mer, en fait. Mais mis à part ça, voilà, c'était vraiment un super moment. Et je trouvais qu'il y avait plein de... À ce moment-là, il y a eu vachement de plot twist. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et surtout qu'après, on se retrouve... dans un autre lieu qui est assez loufoque maintenant, enfin la façon dont ça... Parce qu'en fait, c'est un lieu qu'on avait vu dans le tome 1, et donc là on le revoit, mais pas avec les mêmes dirigeants. Et ça a vachement changé, et je trouvais assez rigolo ce changement en fait, que j'ai du coup bien aimé. Donc voilà, du coup, au niveau des personnages, ceux qu'on a... les nouveaux qu'on a pu voir, ben voilà, je les ai... Il n'y a que Ursula du coup en nouveau. Que du coup, ouais, j'ai bien aimé, fait bien son rôle de méchante. Après, c'est que des anciens qu'on a vus. Et après, il y a un petit mystère aussi avec un fantôme qu'on découvre vers le début du roman, que j'aime beaucoup. Là, je pense que on va enfin avoir le fin mot de cette histoire, parce que le chapitre auquel je suis s'appelle... comment dire sans spoiler, en fait le nom du fantôme. Donc j'espère vraiment du coup qu'on va enfin savoir ce que ce fantôme veut à Connor. Et voilà, du coup il me tarde de lire ces petits morceaux que je vais lire juste après cette petite vidéo là. Du coup après ouais, j'ai pas énormément lu, j'aurais pensé, enfin mon but c'était de lire un petit peu plus. Mais ayant mal à la tête, en fait, je me suis endormie sur le lit de ma sœur. J'ai dormi plusieurs heures d'ailleurs. et du coup, j'avais peur de pas dormir cette nuit. Sauf que j'ai mis Le Choc des Titans et c'est un film, je ne sais, je pense que ça me le fait qu'à moi, mais c'est un film, si je le mets, je dors. C'est un fait, il est encore plus efficace qu'une berceuse. c'est un fait. En fait, vers le début du film, on voit une statue de Zeus se faire couper les pieds, donc elle tombe en fait. Et à chaque fois, je m'endors autour de ce moment-là, et là, ça n'a pas changé. Même si j'avais dormi toute l'après-midi, eh bien, j'ai quand même réussi à m'endormir peu de temps après ce moment-là. Ce film, c'est hallucinant. Je ne sais pas s'il fait cet effet-là à d'autres personnes, mais c'est hallucinant. Dès que je sais que je vais avoir du mal à dormir, ou si j'ai du mal à dormir, je le mets lui et immédiatement je m'endors juste après ce moment-là. Et pourtant c'est vers le début, hein. Franchement je crois qu'il n'y a même pas un quart d'heure de film, hein. C'est... Je sais pas. Juste je sais pas pourquoi il a cet effet sur moi, mais du coup voilà. Et je me suis réveillée vers 9h à peu près. Donc voilà, comme je vous disais, avec le mal de tête qu'on aime. Et là, je voulais continuer ce petit bébé. J'espère le finir aujourd'hui. Il me reste 85 pages. Ça devrait le faire quand même. J'espère. Donc on va lire ça pour ensuite lire le manga dont je vous parlais, je crois, la dernière fois. Je pense que ouais, je vais lire d'abord le manga pour me reposer après ça. Que j'aurais mis mes 30 ans à lire du coup. J'aurais mis... on est le 13, donc 13 jours. Je trouve ça énorme pour un 500 pages. D'habitude, je sais pas pourquoi je galère autant à lire sur ce début d'année, mais peut-être en même temps, j'ai été malade la semaine dernière. Je suis malade cette semaine. Ça n'aide pas. Mais j'aurais dû déjà l'avoir terminé. Enfin, la dernière fois, je crois que je l'ai terminé en 3 jours. Donc après, il y avait le week-end à 1000, mais je sais pas pourquoi. Mais ce début d'année, c'est compliqué pour moi pour lire. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire si vous arrivez à lire en ce début d'année ou si, comme moi, vous galérez un petit peu, vous ramez dans vos lectures. N'hésitez pas à me le dire. Parce qu'en plus,
j'adore ce que je lis, c'est ça le truc, c'est j'adore ce que je lis, j'ai envie d'y retourner, mais il y a tout, je trouve toujours autre chose à faire. On va être à côté et du coup ça passe après et alors que ça devrait pas, enfin c'est. Enfin du moins d'habitude je le fais pas quoi. Donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous retrouve sûrement plus tard pour parler du petit bébé. Coucou. Donc on est jeudi 14 janvier. Il est à environ 1h de l'après-midi. Du coup, je reviens parce que hier, j'ai enfin fini donc Le Pays des Contes, le tome 2. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. La fin, c'est... Comment dire ? La méchante est battue d'une façon dont je ne m'attendais absolument pas. Et j'ai vraiment adoré cette façon de faire. Je trouve que ça donne une morale vraiment super mignonne et super... Enfin, en fait, c'est ma philosophie et du coup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce tome pour ça. En plus, la fin, mais il y a un truc qui se passe qui rend les choses mais tellement émouvantes, mais vraiment tellement émouvantes. J'en ai même versé ma petite larmichette. C'était vraiment une super, super lecture. Que du coup, va vraiment falloir que je me les procure en physique que j'ai à la maison, quoi, parce que j'adore vraiment, vraiment cette saga. C'est vraiment une vraiment super, super lecture. Que je pense que j'adorerais refaire dans quelques années ou voire même du coup partager à mes futurs enfants si un jour j'en ai. Et ouais, c'est vraiment une petite pépite, je trouve. Il y a de l'aventure, il y a de l'émotion, il y a un petit peu de danger aussi, il y a des enjeux, il y a... C'est vraiment un petit bijou, je trouve, dans les trucs, dans les romans jeunesse. Et j'aurais dû franchement m'y pencher plutôt dessus parce que c'est vraiment... J'adore, tout simplement. Et du coup, ensuite, j'ai commencé du coup l'intégrale La Rose de Versailles, donc le deuxième intégrale. Du coup, il y a bien 5 tomes dedans. J'ai déjà lu le premier tome hier. J'adore retrouver mes petits personnages, même si, en tout cas pour ce premier tome dans cette deuxième intégrale, on se concentre surtout sur un. Mais j'aime déjà beaucoup. Dans ce tome-là, donc on retrouve donc Marie-Antoinette, Alex, je crois, Alex de Fersen. J'ai l'impression que c'est pas Alex. Enfin, de Fersen, ça c'est sûr. Et André, donc le soldat, soldate. Et on continue en fait dans leur petite histoire. Enfin, je vais pas trop dire de choses dessus, enfin au niveau des événements, parce que je voudrais pas vous spoiler si vous avez pas lu les premiers tomes. Mais j'aime vraiment beaucoup, on suit plus du coup dans ce coup-là le soldat, parce que quelque chose arrive dans sa vie, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, il se passe plus grand chose pour pour la royauté. Mis à part qu'ils essaient d'imposer quelque chose qui est refusé. Et du coup, l'ambiance de révolte en fait, qui est promise à la fin de ce manga commence à arriver. Le peuple français commence à se révolter, à ne pas être d'accord avec ce que la royauté demande, à ne pas être d'accord avec la royauté tout court. Et j'aime beaucoup cet aspect. J'aime beaucoup aussi le côté de justement du soldat qui se retrouve dans une position où il se demande... En fait, il se rend compte en fait que le peuple est affamé, que le peuple a de gros problèmes en fait d'argent. Et lui, en tant que noble, enfin elle, en tant que noble, elle se sent trop, comment dire, elle se sent privilégiée et elle se sent mal en fait par rapport à ça, et je trouve que c'est super bien retranscrit. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup aussi son côté un petit peu féministe de voilà, je suis un soldat, j'ai été élevée comme un garçon, donc me demandez pas de faire des trucs de femme quoi. Et j'aime vraiment beaucoup ce côté-là de la soldate. Qui d'ailleurs, je pense que ça continuera comme ça, à voir par la suite, mais. Et du coup voilà, c'est vraiment un super super tome. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, ça se lit vraiment super vite. Voilà, c'est un manga donc il fait presque 200 pages je crois, mais
bah, ça se lit vraiment super vite et c'est toujours aussi agréable, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Et même s'il ne se passe pas grand chose, bah, on lit et en fait on ne se rend pas compte que les pages se tournent en fait, et on arrive à la fin du tome et tout ce qu'on a envie c'est de continuer alors qu'il ne s'est pratiquement rien passé. Enfin, c'est vraiment un... J'adore, tout simplement j'adore, je me laisse totalement porter par les dessins, par le sujet, par les personnages. Et voilà, c'est un voyage que j'adore faire et que je pense, bah, du coup, je vais continuer tout à l'heure à lire du coup les prochains tomes. Et j'adore vraiment, vraiment cette petite saga qui, du coup, je pense aussi d'ailleurs que je vais me la procurer pour la voir à la maison. Parce que je pense que j'adorerais la relire dans quelques années. Ou au moins la feuilleter de temps en temps pour voir les planches vraiment magnifiques. Est-ce que je peux vous en trouver une qui est vraiment vraiment jolie. Après je trouve qu'il n'y avait pas de grandes planches comme il y avait avant. Enfin dans le premier intégral. Mais voilà par exemple. Là quand il prend son violon. Enfin elle prend son violon. Elle est vraiment magnifique cette image. Ou parce que j'essaie de pas trop vous spoiler non plus. Ce serait dommage quand même. Vu que c'est du coup le sixième tome. Enfin voilà. C'est vraiment un petit bijou je trouve et il me tarde de lire la suite. Coucou. Donc on est samedi. Je sais pas combien. On est samedi. Donc on est samedi 16 janvier et il est presque 21h. Je crois que ça fait quelques jours que je ne vous ai pas repris. J'ai lu pourtant, mais je sais pas, j'avais juste pas envie d'être avec la caméra. Voilà, c'est tout simple. Donc du coup, oui, j'ai lu, j'ai même pas mal lu. parce que, bah, vu que ça, ma tête, ça va enfin mieux, que j'arrive à dormir... Pas super bien mais j'arrive à dormir donc du coup je lis autant que je le peux. Du coup j'ai fini La Rose de Versailles, donc le petit bébé manga. C'était trop bien, j'adore, mais tellement ce manga, c'est plein d'émotions. C'est donc je sais pas si je vous l'avais dit du coup, mais on reçoit Marie-Antoinette, la reine de France, le Oscar François de Jarjaïès, qui est un soldat élevé comme un garçon, alors que c'est une femme, et Alex de Fersen, qui est un Suisse, je crois, qui est donc amoureux de Marie-Antoinette. Mais vu qu'elle est mariée au roi français, ben, ils peuvent pas trop être ensemble, comme vous vous en doutez. Et tout ça se déroule au moment de la Révolution française et c'est tellement prenant parce qu'en fait on suit vachement, on voit vachement monter la colère du peuple et on voit toutes les remises en question, surtout de Oscar qui du coup est vachement proche du peuple, lui, enfin lui, elle, à chaque fois je sais jamais comment l'appeler, c'est une fille mais elle se comporte tellement comme un garçon que c'est un petit peu compliqué. Et on voit du coup tous ses sentiments par rapport à la noblesse, par rapport au peuple, par rapport à la royauté, par rapport aussi à elle, sa condition de femme, et ses sentiments en tant que femme, et ce qui est attendu de la part de ses parents, de la part de la société, alors que voilà, elle n'est pas forcément prête, parce qu'elle a toujours été élevée comme un garçon, donc voilà, et c'est tellement prenant, on ne se rend pas compte, mais en fait on tourne les pages, et franchement c'est 900 pages qui passent mais toutes seules quoi. C'est, en plus certaines images sont vraiment mais magnifiques, mais un truc de fou quoi, c'est vraiment vraiment super beau. Enfin je sais pas si je retrouverai les images les plus belles que j'ai pu voir, je me souviens pas si elles spoilent ou pas, mais ben, par exemple il y a des images un peu comme ça. Je ne m'en pas longtemps pour éviter de spoiler, mais c'est vraiment mais tellement joli. C'est comme ça. C'est simple hein, pourtant, mais moi j'adore ce dessin. Je le trouve super frais, super doux, super.
super agréable en fait à regarder et c'est vraiment, j'adore ce dessin quoi, avec les petites fleurs qu'il y a souvent autour des dessins comme ça là. Et c'était mais tellement tellement bien, autant les personnages sont attachants que le scénario est intéressant, on sent vachement les émotions, on s'attache vachement aux personnages, à tous les trois d'ailleurs hein. Même aux autres d'ailleurs qu'il y a autour qui peuvent être attachants parce qu'il y en a qui le sont pas. franchement c'est super bien, même au moment où du coup la révolte commence à se produire en fait, c'est vachement prenant et je pouvais pas m'empêcher, je tournais les pages et je crois que ce jour-là je me suis endormie assez tard du coup parce que justement je tournais les pages quoi, je pouvais pas arrêter alors que la révolte commençait quoi. Et c'était mais vraiment trop trop bien. Par contre, le dernier tome de cette intégrale, c'est une histoire annexe. Donc on repart un petit peu avant. Un petit peu. Je crois même que ça fait. Cette histoire, du coup, est inclue dans le. Elle ferait partie de comment dire. En fait, c'est une histoire qui se déroule plus au moment du premier intégral. À un moment du premier intégral. Mais j'ai adoré du coup quand même retrouver ces personnages, retrouver cette ambiance de royauté, cette ambiance de France d'antan en fait, et j'ai appris pas mal de choses. Je sais pas après si ça s'est passé exactement comme ça, mais j'ai appris quand même certaines choses. Je pense que voilà pour celui-là. Et du coup ensuite, j'ai lu donc les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 7, qui s'appelle L'arbre au corbeau de Lemony Snicket. je l'ai lu mais super vite, ça s'est lu mais tellement tellement vite, je crois que je l'ai fait en deux sessions alors qu'il fait 250 pages je crois presque, c'était vraiment trop trop bien, pourtant voilà le scénario reste le même, ça reste parce que l'histoire globale c'est donc trois orphelins, Prunille, Violette et Klaus qui perdent du coup leurs parents dans un incendie tragique et du coup ils passent en fait de tuteur en tuteur et à chaque fois ça se passe pas très bien parce qu'il y a le comte Olaf qui essaie de les kidnapper ou voilà pour récupérer leur fortune et c'est comment dire. Disons que j'adore les personnages, je me suis hyper attachée à ces trois orphelins qui ont vraiment pas une vie facile et qui arrivent malgré tout à se débrouiller et je trouve que pour ça ils montrent un super message comme quoi voilà, même si t'es enfant, même si la vie n'est pas facile, ben, ne baisse pas les bras et ça va aller, tu vas surmonter ça, tu vas trouver la solution et tu vas pouvoir passer à la suite et ça va aller mieux. Et pour ça, j'aime beaucoup. Mais à côté, je trouve que voilà, comme je le dis souvent, il y a toujours ce problème des adultes à qui on peut pas faire confiance. Et ici, ça, c'est toujours le cas. Il y a juste un adulte à qui on peut faire confiance. Et encore, faut pas trop trop compter dessus non plus. Donc ça, je trouve ça bête. Encore une fois, dommage quoi. C'est après à voir par la suite si ça change. Mais du coup, je pense pas. Je pense que c'est la patte de l'auteur quand même, non? Après, par contre, dans celui-là, on voit pas beaucoup le comte Olaf. Ce côté-là a un petit peu changé, et du coup, c'était pas mal, je trouvais. Parce qu'on se concentrait plus sur la recherche d'autres orphelins qu'ils ont rencontrés dans le tome précédent ou le tome d'avant encore, je sais plus. Donc voilà. Et du coup, ça, je trouvais ça super intéressant, cette petite enquête à travers des petits mots. C'était franchement super intéressant. La ville dans laquelle ils sont est super louche et ça donne une atmosphère super cool en fait à suivre. Parce que voilà, c'est vraiment super louche. En plus, on s'attend à tout moment voilà, à voir ben, le comte Olaf comme à chaque fois. Et vu qu'il met son temps, ben, à chaque fois, enfin, j'ai l'impression que c'est de plus en plus long en fait pour qu'il arrive. Et du coup, je trouve ça cool parce que du coup, on se fait plein de scénarios dans la tête à dire mais attends, mais ça se trouve c'est lui, ça se trouve c'est là, c'est. Voilà, et du coup, je trouve ça cool. Après, ce que j'aime bien aussi dans cette histoire. Dans cette saga du coup, c'est qu'on apprend des choses en fait, c'est à travers son histoire, le narrateur implique en fait du vocabulaire assez développé, assez soutenu par exemple, et du coup bah, il apporte vachement de vocabulaire qu'on pourrait pas voir en fait dans d'autres trucs, dans d'autres romans de jeunesse, et il apporte aussi certaines connaissances, là je n'ai pas d'exemple en tête, mais...
Mais je sais quoi, là, il y a des fois, il apporte certaines connaissances. Par exemple, un fact, voilà, totalement... si ça va pas vous spoiler, quoi. Par exemple, il précise que quand on dit qu'on est dans la mélasse, c'est pas mérité pour la mélasse, parce que la vraie mélasse, c'est une espèce de sirop visqueux presque noir, résidu de la fabrication du sucre. Et sur du bon pain ou des crêpes, elle est plutôt délectable, surtout qu'une noisette de beurre. Donc vous voyez, c'est dit avec, voilà, assez fluidement, en fait. Et je trouve que voilà, ça apporte des petites informations assez cool de temps en temps. Après, au niveau de l'écriture de l'auteur, on a toujours ce côté One eternity later. Je trouve pas le terme, mais en gros, en permanence, il fait comprendre que les choses vont pas aller mieux, qu'il faudrait mieux pas lire ce livre ou ce genre de choses. Par exemple, je crois qu'arrivé au dernier chapitre, il dit qu'il nous conseille de refermer tout de suite ce livre et que d'en prendre un autre parce que, et de s'arrêter là, parce que là au moins pour le moment les choses vont bien, mais qu'après ça va mal tourner. Et il fait ça en permanence et c'est trop... je trouve ça super rigolo à lire, en fait. Je trouve ça, voilà, ça apporte une petite touche d'humour que j'aime beaucoup et qui donne vachement de légèreté, en fait, à tout ce qui se passe, qui d'ailleurs n'est vraiment pas facile. Il y a quand même des meurtres, enfin, il y a des morts, quoi, donc c'est pas forcément évident à lire, enfin pour des enfants je parle. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que le narrateur, c'est l'auteur, littéralement, c'est Lemony Snicket. Et en fait, du coup, au fur et à mesure des tomes, on apprend de plus en plus de choses sur lui. Par exemple, on sait qu'il a perdu une certaine Béatrice. Et on en apprend un petit peu plus à chaque fois, à chaque tome. Et ça, je trouve ça super cool. On en apprend aussi un petit peu plus sur les parents des orphelins. Et dans ce tome-là, ben voilà, ça fait pas défaut. Même si à chaque fois, c'est vraiment par bribes. Hein, c'est vraiment des gouttes d'informations. C'est vraiment pas... Alors du coup, je sais pas combien... Normalement, il n'y a que 13 tomes, donc je ne sais pas comment il va faire pour donner toutes les informations nécessaires, s'il fait que les distiller comme ça, goutte par goutte, mais en attendant, c'est ce qu'il fait. Donc à voir par la suite, mais pour moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Même si, voilà, je me rends compte qu'elle a ses défauts, mais j'aime bien quand même. Et du coup, là, je vais faire un petit peu de montage. Après, je sais pas si je vais lire ou pas, mais là pour le moment, je vais faire un petit peu de montage. Et demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire, parce que normalement, donc faut que je nettoie la maison un petit peu. Mais surtout, après, on a prévu de jouer avec ma soeur et son meilleur ami à Dead by Daylight. Ça fait une éternité qu'on n'a pas joué ensemble, et du coup, voilà, on voulait se faire un petit moment ensemble. Donc du coup, on va jouer à ça demain, et je ne sais pas du tout combien de temps ça va nous prendre. En général, on y reste quelques heures quand même, donc voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre, mais on va voir. Et du coup, si j'ai le temps de lire, je commencerai les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, mais le tome 8, donc qui s'appelle Panique à la clinique, qui me tarde du coup de découvrir, parce qu'en plus, à la fin de celui-là, il y a un petit changement de scénario dont je ne spoilerai pas, bien sûr, mais voilà, il y a un petit changement de scénario qui, du coup, je me demande vraiment comment ça va être, comment ils vont se débrouiller, quoi, et je suis vraiment curieuse, en fait, de voir ce qui va se passer, quoi, pour eux. Que ce soit là, à chaque début de chapitre, il y a des petits dessins comme ça qui sont trop mignons, je trouve. J'adore le dessin de cet illustrateur. Ah non, il y a son nom à la fin. Voilà, normalement c'est Brett Elkist. La présentation de l'auteur. Du dessinateur et du traducteur est particulière sur ce sur ce bouquin, j'adore. Du coup, voilà, il me tarde du coup de lire ces petits trucs. Comme ça, je pense que du coup, la semaine prochaine, je lirai celui-là et celui d'après que j'ai. Comme ça, après, je pourrai ramener tout ça à la médiathèque et du coup emprunter les autres.
Et ensuite, je pense que je lirai le premier Terry Pratchett, tout en continuant Anna Karenine. Ouais, je pense que je vais faire ça. Parce que du coup, Anna Karenine, j'ai un petit peu mis en pause, du coup, pour être sûre de pouvoir lire mes livres de la bibliothèque, parce que vu que j'ai une date à laquelle il faut les rendre, ils priment, quoi. Et du coup, je vais faire ça. Après, je vais lire, du coup, Anna Karenine et les Annales du Disque Monde. Et si j'ai le temps, je lirai Elle est l'ennemie de Paul Clément, que j'ai très, très, très envie de lire. Et du coup, voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas du coup si je pourrais revenir demain. Donc au cas où, je vais clôturer ce vlog maintenant. Si vous avez apprécié ce vlog qui d'ailleurs, je crois, n'est pas super long du coup, à voir. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour discuter en fait des lectures que vous faites ou que j'ai faites qui vous interpellent. Et de cliquer sur la cloche si vous voulez voir les vidéos suivantes. Et sur ce, des bisous!